La cinquième étape du Tour de France entre Épernay et Montargis, longue de 187 km, a été marquée par la chaleur, une chaleur caniculaire sur les routes du Tour de France. C'est une première grosse chaleur depuis le début de la saison et ça va marquer les organismes. Elle a été marquée également par le retour au premier plan de Mark Cavendish, le bad boy du peloton, celui dont tout le monde se plaint dans la dernière ligne droite parce qu'il a multiplié les fausses notes, a envoyé quelques coureurs importants au tapis. Certains même n'ont pas pu venir sur le Tour de France, à l'image de Bonen ou Hosler. Cavendish a réussi à remporter son premier sprint, enfin, sur le Tour de France. Envahi par l'émotion à l'arrivée, il redevient d'un coup sympathique. Celui que tout le monde critiquait commence à retrouver la faveur du public. Voilà, belle victoire pour Mark Cavendish qui domine un sprint limpide cette fois. Tous les sprinteurs derrière ont marqué le pas. C'est vrai qu'il était un petit peu tumultueux, mais le coureur britannique a imposé cette fois toute sa puissance dans une arrivée en léger faux plat montant. Les Français, 6e place pour Sébastien Turgot. Et puis également pour les Français, Julien Alfares qui découvre le tour, qui a animé une longue échappée. Pour tous les autres, c'était une journée de semi-récupération. Demain, c'est la plus longue étape du tour avec 227 km.